Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on est reparti pour une nouvelle vidéo de gameplay sur l'acte 6. Alors, petite annonce par rapport à l'acte 6. Alors j'ai fait tous les passages partout, sauf un qui ne sera pas en vidéo, enfin entre guillemets, elle ne sera pas postée pour le moment. Pourquoi? Parce que c'était une vidéo qui a été, où en fait, c'était un fail complet. Pas honte de le dire, hein, ça a été vraiment un fail complet sur l'acte. Enfin, en gros, le passage s'est plus ou moins bien passé, et puis après, sur le boss, c'était une catastrophe. Et je me suis dit, j'ai pas à sortir parce que finalement, après, j'ai fini le boss en off, et je me suis dit, j'ai pas à la sortir, je le sortirai comme best-of fail, parce que oui, ça peut arriver aussi de se foirer, et bien, très très bien d'ailleurs, comme je l'ai fait. Et du coup, je me suis dit, bah, à l'occasion, je sortirai cette vidéo pour. Je ne sais quelle raison, pour un moment précis, je ne sais pas. Mais je vais sortir la vidéo pour Best of Hell, pour vous montrer que, bah, que j'ai bien raté. Et à mon avis, certains vont beaucoup rire. Et tant mieux, parce qu'il faut aussi en rire. C'est surtout très drôle, même si sur le moment, ça m'a fait forcément beaucoup rire. Enfin bon. Du coup, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur l'acte. On va faire, alors je ne sais pas exactement, hein, on va la faire un peu au pif maintenant, je pense. Je pense qu'on va faire comme ça, en soi, qui n'est pas très compliqué. Alors du coup, on va faire plutôt, je pense, Kingpin. Plutôt Kingpin, je pense. Donc du coup, on va y aller avec Ghost. Mais moi, c'était Ghost qui marchait très très bien. Alors, on va mettre plus des bornes. Ce sera un peu la surprise, on va dire. Ça part, ça part. On pourrait prendre aussi un Corvus. Non, Blade. Blade, il peut être pas mal Blade. Avec Ghost Rider. Pour le Kingpin. Je crois que ça peut être comme ça peut être pas mal comme ça. On va voir, on va rechecker vite fait les bornes. Hein. Dans le doute, j'ai un petit doute. Rappelez-vous que sur cette ligne, il y avait eu de gros bugs. J'ai eu des retours par rapport à ça de votre part. Et il y a vraiment eu pour le coup des bugs, c'était. Enfin, c'est sûr en final. Hein. Ah, c'est ça, oui, d'accord. Donc au final, c'est vraiment dommage d'avoir autant de bugs. C'est ouais, c'est limite déprimant, on va dire. Enfin bon, c'est comme ça, c'est le jeu, on va dire. Hein. C'est le jeu. Hop, donc du coup, c'est parti, New Jacket. Oh, on va s'amuser un petit peu. On va faire avec Ghost, parce que pour ses spiens, comme ça évite au moins de les esquiver en toute sécurité. J'espère juste qu'il n'y aura pas de bug encore, ce serait bien. Voilà, comme ça, vraiment, avec Ghost. Yo Jacket est vraiment pas un souci. Oh là, j'ai de la chance. J'ai bien, j'ai pas esquivé assez bien. Ouais, faites la fin là. Étonnant d'avoir pris la fin du dard. Bon, j'ai eu la chance de ne pas prendre le dard puissant. Mais étonnant ce que j'ai esquivé. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Bon, au moins c'est passé, c'est le principal. Hein. On va pas épeler 10 ans là-dessus. Tant qu'on rencontre pas au moins les mêmes bugs qu'on a eu la dernière fois, ce serait bien. Let's go. Alors, évidemment, il y en a qui mettent des boosts pour les quêtes. Moi, je mets pas de boost. Je pars du principe que du boost, on l'utilise en GA ou en QA à la limite. Enfin, si on commence à utiliser des boosts en quête. Hein, on s'en sort vraiment plus. Et là, ça va faire mal. Thank you.
J'essaie de lancer le spell juste avant la fin du timer, bon c'est pas grave. Ouais, c'est bon, ouais, moins 5 000, ouais, d'accord. Ouais. Faut vraiment taper le plus possible, mettre plutôt les spés dans au moment où il y a la bulle, parce qu'au final les dégâts sont multipliés. Gamora. On va tester avec Blade du coup, comme ça met plus de dégâts dans la bulle, avec les saignements et tout, je pense que tout cumulé ça pourrait être intéressant. On teste hein, évidemment, hein. Je dis pas que c'est la meilleure solution. Alors oui, ah oui, c'est vrai que là du coup, faut pas paravent. Donc du coup, qu'est-ce que c'est? C'était pas la meilleure solution, Blade. Les dégâts. Ah, j'ai pas. Alors, pourquoi on regarde la borne. Ok, à quel moment on prend les dégâts? D'accord, ouais. Donc faut pas qu'il rentre en contact. C'est pour ça qu'il est mort au play en fait. Bah, comme ça, au moins on l'a vu en live. Hein. Je savais pas vraiment quoi ça. Ce que ça rendait. Donc comme ça au moins on l'a vu en live. Normalement avec le spé elle... tout là elle meurt hein. 120 000, ouais, c'était sûr. Bon, au moins on a perdu Blade, c'est con, quand même l'occasion d'avoir perdu Blade. Bon, c'est pas très grave, normalement on est censé tout faire avec Ghost quoi. Ah, ça faisait longtemps, ça faisait très longtemps. Bon, ça ne dure pas longtemps, mais bon, quand même. Ils se sont dit, mais comment on va le faire chier aujourd'hui? Ben avec une petite tentative de connexion, à défaut de ne pas avoir de bug encore. Ça me fait vraiment plaisir de faire un peu l'acte 6. Ça faisait un moment que j'en ai pas fait. Et on le tue. Super. Parfait. Putain, Ghost, vraiment la déesse. Hein. J'ai envie de vous dire, on pourrait même limite mettre en suicide. En suicide, on prend avec The Wood. Hop, c'est fait. Les gars seront. Enfin, ce serait limite du one shot, je dirais. Je suis sûr. Je suis sûr que ce serait limite du one shot. Bon, j'ai la flemme de me passer en suicide juste pour ça. Mais je suis sûr que. Ou un coup, ouais. Au moins il se prend à 30 000 dans la tête. Là ici, et il va faire mal celui-là. Je fais le spé 1 parce que je sais très bien que derrière je pouvais esquiver son spé.
Ah oui, bien, j'avais plus de light, c'était pour elle. C'est chiant. Ouais, bon, tant... bon, tant pis. C'est quoi la borne principale du boss? Ouais, d'accord, bon, c'est pas ce que je pensais. Ok. Bon, c'est dommage, là, j'aurais dû prendre The Hood pour le coup. Bon, au moins, on a testé, donc bon, c'est le principal, mais c'est vrai que ça va être embêtant, là, parce qu'on va se prendre des. Ouais, il va falloir franchir le maximum de. Ouais, je prends cher. Ah ouais, merde. Ah ouais, c'était. J'ai pas pris du tout la bonne compo. On va quitter le combat parce que je suis mort. Et au moins comme ça, garde ça comme vie. Ouais. Pas au petit du tout là. Alors j'ai plus de rien. Hein. J'ai tout utilisé pour The Champion. C'est pas grave. Ouais, on va sûrement Sonic. Du coup, on essaie de refaire le combat. Donc, faut pas la toucher. Ah, il t'a pris au piège, c'est super. C'est un combat de merde. Ah, j'aurais dû prendre The Hood, mais tellement. C'est dommage. Lorsque c'est le kick. Ouais, faut pas rester en contact. En fait, faut faire full inter, quoi, grosso modo. Oh non, on m'a inter. Ouais, m'a inter bizarrement. Bon. S'en sort bien, on va dire. Du coup, on va la réanimer. Ça fait chier, honnêtement. Deux réas. Oui, c'était la première. Bon, c'était un test avec Blade. Je savais pas trop quoi m'attendre, donc plus on la compte pas. Mais le fait de l'erreur de ne pas avoir pris The Hood, ça coûte deux réas. Ça coûte des réas. C'est dommage. Donc là, il n'y a plus de problème maintenant jusqu'à la fin. Logiquement, hein, si on. What? Oh, le bug! Ça commence à faire cher le passage facile là. Oh, vas-y, le bug quoi! Mais non, mais j'hallucine! Je vais faire un ticket à Kebab. Mais non, j'hallucine. Le mec, il met un coup, je mets le coup, il m'en suspecte pendant que je mets le coup. N'importe quoi!
C'est de tempo un petit peu. Voilà. Oh là là, mais non, mais. Oh putain. C'est ouf quand même. Putain, cette quête-là, j'en aurais, mais. Je sais plus si c'était dans cette quête-là. Non, c'était pas. Je sais plus si c'était dans cette quête-là le bug, mais enfin, c'est pas possible. Faire enfin, autant de bugs dans une quête comme ça. Ah, c'est simple, hein, il n'y a pas de bug. Quel dommage. Lâche tes spé alors mon pote, hein, si tu veux pas venir. Assez d'énergie, hein. Ça consomme vraiment bien. Le petit voulou. Là, il faut vraiment rusher. C'est essayer de lui mettre plus P2 plus rapidement possible pour au moins qu'il prenne, voilà, au moins des dégâts dès le début. Je pense pas forcément tout le temps, mais c'est vraiment le truc à faire au début. Partie dedans et une partie à l'extérieur. Là non, il est déjà mort. Ah putain, j'ai parade. Ah, j'ai voulu parade. L'erreur. Ah, c'est de ma faute. Là, c'est de ma faute. Ça va venir cher. Putain, le passage. J'hallucine. Promets que le prochain passage, il sera nickel, hein, parce que là, j'en suis dégoûté. Hein. Au moins sur le fait que je meurs sur ce passage-là, ça me permet aussi de comprendre la borne très bien. À quel moment je peux parade, pas parade, etc. Donc pour le coup, même si c'est chiant, au moins si je retrouve la borne quelque part, je sais à quoi m'attendre. Je sais comment faire que je prenne Ghost ou pas Ghost. Donc c'est aussi l'avantage, hein, par rapport à ça. Ah, faut faire gaffe. D'accord, j'allais taper bien avant, hein, le timer, mais bon, c'est pas grave. Venu.
Ah, c'est moi qui fais de la merde. Ah, je fais vraiment un passage de merde, ça me saoule. Et comme ça, j'ai plus d'unité. Parfait. Comme ça, j'ai plus le choix que. J'ai plus que le choix de réussir. Bizarre. Bon. Et il n'y a plus qu'à one shot, hein. Le boss sans rien. On l'a fait une fois, on peut le faire deux fois. Hein. Non mais pourquoi t'y es pas allé? Mais pourquoi t'y es pas allé? Tiens, comme ça va. Au niveau timing, c'est chaud, hein. Allez, il y a tout dans la bulle. Un bulle, ouais, parfait. Je sais que j'ai qui tombe. Bon, que dire de ce passage? En résumé, eh bien, tout simplement, on a fait un test avec un perso, avec Blade, voir un peu ce que ça donnait. Alors, j'ai pas très bien compris la borne, honnêtement. Donc, au moins en testant, bah, j'ai compris la borne, je sais ce qu'il faut faire ou pas faire. C'est-à-dire, du coup, vous pouvez le taper, vous pouvez être parade, aucun problème quand il est pas sous la bulle. À partir du moment où il est sous la bulle, ne le touchez, enfin, ne vous faites jamais toucher. Aucune parade, rien du tout, ou sinon, c'est la mort assurée. Voilà, le conseil, donc vous pouvez voir, ça m'a donné. Enfin, en faisant ce test, et du coup, on prend pas The Hood, ça m'a fait claquer trop de réa, mais beaucoup trop de réa pour un passage aussi simple. La prochaine vidéo qui va sortir, je vais refaire un passage dessus, clairement. Et pour le coup, je vous montrerai tout sur Egg Ghost avec la bonne compo, sans réa, parce qu'il n'y a pas besoin de réa sur cette quête, clairement pas. Donc voilà, je suis désolé, ça me fait chier aussi pour mon stock, enfin aussi pour mes unités, parce que bon, j'ai claqué quoi 150 U. C'est dommage, bon, au moins, on va dire, le but après dans le jeu, c'est d'avancer. Donc après, la façon dans laquelle vous faites, si vous n'y arrivez pas, ou si vous claquez des soins ou des réas, peu importe, dans tout cas, il faut bien un jour les claquer, ils sont là pour ça. Après, de là à dépenser des unités, c'est là qui fait le plus chier, en fait, hein, parce que dépenser des unités pour quelque chose où on merde.
Parce que voilà, c'est dommage. Enfin bon, au moins comme ça vous avez le retour par rapport à ça. Cette vidéo-là par contre par rapport à celle de The Champion sera bien publiée. mais on a quand même eu au moins un petit bug. Pour moi, il reste un petit bug avec... avec comment il s'appelle? Avec Loki. Pour moi, il y a eu au moins un petit bug, c'est sûr, c'est un bug. Parce que ça s'est pas fait dans les autres combats, mais bon. À partir de ce moment-là, c'est pas quelque chose de normal. Comme d'habitude, n'hésitez pas dans les commentaires à commenter, à partager comme d'habitude. Hein, et puis on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!